Bonjour à tous et à toutes et à toutes, pardon. On se retrouve pour un display de... C'est parti. Donc, évidemment, la connexion veut bien se faire. Ah, c'est bon. Ok. Bon, si à chaque fois il faut une connexion, on n'est pas dans la mise. Non mais je joue tout seul pour l'instant. Bienvenue à bord, battleborn. Je suis Nova, l'IA embarquée AI. Nous n'avons pas le temps pour une visite complète. Vous avez une mission. Sélectionnez prologue pour recevoir le briefing. Et encore une fois, bienvenue parmi nous. J'espère que vous ne mourrez pas. D'accord, ok. Je vois l'histoire publique. Ok. Ok. Oh, on va aller voir ça. Non mais moi je vais jouer tout seul, hein. Je peux pas... Bon, t'as chaud de vous mettre au parfum. Alors, il était une fois il y a très longtemps, la toute première civilisation de l'univers connu a gravé une idée sur une pierre. Ce qui, bien sûr, voulait dire que c'était important. Il y était question de... la fin. Et selon cette pierre, disparaître un jour, y compris les étoiles elles-mêmes. Les ténèbres devaient dévorer peu à peu le ciel. Et après des années de, appelons ça une très longue série de journées pourries, il ne devait rester qu'une étoile. Tous chercheraient à rejoindre cette dernière étoile afin d'échapper aux ténèbres envahissant l'univers à l'agonie. Cependant, ce rassemblement ne susciterait pas l'unité, mais la guerre. La guerre entre civilisations et la guerre contre de puissants ennemis, les Varelsi et ce traître de Reindeir. Mais la pierre parlait aussi d'espoir, de champions surgissant des ruines du conflit et qui, eh bien, chercheraient à préserver la lumière. Et c'est là que vous entrez en scène. Parmi ces héros, vous recruterez une équipe de combattants, vous les dirigerez et les entraînerez. Grâce à vous, il restera un espoir de clarté. Ces guerriers seront les battleborn. Et pour vous, commandant, ils lutteront ensemble ou mourront isolés. Enfin, c'est ce que dit la pierre. Ce qui nous ramène à l'étoile. Apparemment, c'est pas une seule de game, tu vois. Bon, je vous laisse découvrir nos introductions. Apparemment, elle dure 7 minutes. Apparemment, de présenter tous les personnages qui viennent dans le jeu. Avec la musique plus jeune, non?
is the last chance to form an alignment and shorten the distance to the plan. Wish we had a fortune teller crystal ball in hand, cause can't see in the dark, not even retina scan. Deep in the future, we dig a hold of the prospects. Something toxic got in with foreign objects, war and problems. We gotta get over. This affects the whole. We can't split soldiers. The last remaining. If we stop fighting each other, we might actually save it. It's difficult when we're all apart to make it easier. The enemy invited us all. Now that we stop the bickering, we get double-crossed by attractive trickery. How much we care. No, that's a lot. To be free, gotta think out the box. Outline, apply, use cunning or be shot. Space, we continue to fight on and right the wrong just to keep the lights on. Haut et clair, Melka. Bienvenue sur Tempest, le cœur de ce qui reste de l'Imperium Generite. Content que tu sois là. Eh, hey, je t'en devais une. Et je suis pas du genre à laisser passer une occasion de pourrir la vie à Rindane. Où est la transfuge? Elle prépare le feu d'artifice pour la fiesta d'aujourd'hui. On n'aura qu'une seule chance, Mel. T'es prête? Non, mais c'est pas grave, allons-y quand même. On envoie les données de la mission à Melka, Cleese. Okay. C'est en route, capitaine. Eh, hey, attends une minute. C'est Cleese? Cleese fait partie de cette mission? Pouvoir. Ah, vous voilà. Suivez le point de passage que j'ai envoyé. Il devrait vous mener tout droit dans la gueule du loup. C'est toujours un plaisir, Melka. Bon. On peut voir qui en est. Non. Ok, L3 pour se monter, ok. Allez, j'ai une boule noire dedans.
désactiver la machine. Ok. Comment on fait ça? Bon, bah, parcours la découverte. Ah, d'accord. Ah non, mais ça sert. Ok. Ah. Oh. Oh, mais bon, ça commence déjà bien. Oh, les points de construction. Ouais. Ouais. Ça, c'est un moyen de franchir cette porte. Le champ de force, pour les autres formes, les plaies détruisent là. Ça doit être ça. Oui. La mission d'aujourd'hui okay. Est assez périlleuse. Je conseille une synchronisation sur une balise de transport d'urgence de la LLC. Ou point de contrôle en langage clair. Il y en a une tout près. Ne garantit qu'un nombre limité de récupérations avant déconnexion. Ouais, bande de rapia. Ici, c'est pas... Non, c'est le brouillard. Retrouver le transfuge. Bon, on va visiter un petit peu tout. Ah oui, bon, la chaîne bug. Depuis des milliers d'années, les destinées, des génériques et des asservis, ils sont un petit peu liés. Je vois ainsi vous sortir. Ah, oui, mais... Faut le mettre en même temps plus tard, sinon ça sert à rien. Ok. On va continuer un petit peu. Des unités défectueuses. Quelle honte! Si je dirigeais encore Spirobotique et ça, certains se feraient virer. Il n'y a qu'à les tuer. Il ne faudrait pas qu'une de ces choses nous prive de l'effet de surprise. C'est parti! Ouais, ok, c'est parti. Découvert plus tard.
pas envie de mourir au début du jeu, c'est quand même un peu bouillant. Transfuge. Ah, je t'avais pas dit. Eh ben, c'est Diande, la maître espionne de l'Imperium Generate. C'est pas vrai. Sérieux? Le bras droit de Raindane? C'est dingue, non? En fait, elle commandait les rebelles Generate depuis l'arrivée au pouvoir du Lord Commandant. Et les largages d'infos qu'on a reçus, c'était elle aussi. On peut vraiment lui faire confiance? Je crois qu'on va bientôt savoir. Continue d'avancer. T'es pas loin de l'héliophage. Ça c'est fait. Couteur de la porte du mecca. Après une zone d'effet qui couvre les ennemis à proximité de l'arche votre souci lors du coup initial et inflige des dégâts répétés. Ah ok, en fait ça fait des dégâts de poison en fait. Ok, bon, on va prendre ça au pif. Flingue me plaît. Où est-ce qu'il vient, capitaine? C'est un pistolet mitrailleur des RPU modifiés. C'est Gliss qui s'en est chargé. Oui, il est conçu pour fonctionner avec votre monstrueuse transformation. C'est un bio-gantelet Eldride, Gliss. J'ai bonnet blanc et blanc bonnet. Allez-y, essayez! Flamme, crevez! Oula. Est-ce qu'on peut y aller? C'est bon, LK est presque au point de rendez-vous. Parce que je vais commettre mon deuxième acte de trahison de la journée. Bon, ce qui est bien, c'est que la santé se régénère tout ça. Pas trop besoin. Ah, ça c'est une arme. Oups. Par contre, l'armure est venue à l'entendre. Merci pour cette vie drone, même si j'en ai peut-être pas besoin. Bon, apparemment j'aurai une nouvelle arme. Non, c'est pas ça. Comment on fait? Oh ouais! C'est pas ça que je voulais, mais bon. Non plus. Je sais pas si on peut l'équiper dans ça. Voilà. Huh.
l'énergie de l'héliophage. On y est. Sortez le popcorn, tout le monde. Le spectacle va commencer. Ça devrait nous laisser du temps. Maintenant, il faut extraire Diande. Rejoins vite le point de rendez-vous. Nous avons été trahis par l'une des nôtres. Amenez-moi la maître espionne. Amenez-moi Diande. Bon sang. Vite, Diande. J'y suis presque. Une proie facile. J'en aurais mis plein la tronche à tout le monde aujourd'hui. Avec un peu de mal, hein, mais bon. On est arrivé quand même. Ah, d'accord. Ah, il y a des ennemis, j'ai jamais vu ça du tout. Merci le drone alors. Prends ça, Générite. Alors. En fait, le niveau sera rapidement, dis donc. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'ennemis. Voilà. Merci, c'est sympathique. Bonjour, je suis Diane. Bon alors, conteneur de phrases. Pas de personnalisation, mais personnaliser en conteneur de phrases. Là, c'est un champion de grand-père de l'hôpital à conteneur de phrases. On va prendre ça. On n'a pas une seconde, Générite. Vous avez entendu? Votre patron vient nous tuer. Il faut alimenter ses conduits pour déployer le pont. Il y en a deux, on est deux. Déjà. Le pont est activé. Pichons le camp d'ici, Générite. Oui, pichons le camp d'ici. Et vous, c'est Melka, c'est ça? Non, mon nom c'est Eldrid qui va t'en mettre une. Curieuse tenue pour une Eldrid. Vous vous attendiez à une elfe de l'espace? Ou à une observatrice en tenue de cérémonie? J'aurais bien mis la mienne, mais je l'ai perdue quand les Générites ont englouti mon étoile. Ah, ça c'est dangereux, je pense pas. C'est le moment où Melka pique sa crise! Pour ce que ça vaut, mes excuses. Mais une chose est sûre, ce n'était pas les Générites. C'était Rendane. Avancez, Générite! Ah, ça c'est le corps aussi. Ah!
perdu beaucoup. Je devrais venir avec vous plus souvent. Voilà la zone de posée. Elle grouille de générite. Galt, vous êtes où, les gars? On se fait plomber. On arrive le plus vite possible. Dégagez-nous le terrain. Des forces de l'Imperium. Éliminez-les. Tiande, je dois dire que je suis déçu. Non, je suis énervé. Je suis même limite furax. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? De ce que vous nous avez coûté? Je sais exactement ce que j'ai fait, Lord Commandant. Au fait, je démissionne. Au cas où il y aurait un doute. Écoutez, il est clair que vous désapprouvez notre alliance avec les Varelsi, mais c'est la seule façon de survivre à ce qui se prépare, la seule façon de préserver un tant soit peu notre univers, notre mission, où l'impératrice est morte. L'impératrice est morte. Ne prononcez plus jamais son nom. Morte ? Non, c'est... Non, laissez tomber. Passons directement aux conséquences de votre petite folie, voulez-vous? Nous allons reconstruire l'héliophage, absorber Solus dans le néant et assurer l'avenir de notre peuple. Pendant ce temps, vous mourrez de froid, dans la solitude et surtout dans les ténèbres. Mina! Ça devait finir comme ça. Je devrais venir avec vous plus souvent. Allez, en route. Gérer le champ. On continue. Eldrid qui va t'en mettre une. Lorsque l'attaque vers les ennemis est effectuée par le venant au corps à corps, ok. Rythme Eldrid, en éliminant l'ennemi touché par le venant, le cas reçoit un bloc de santé augmenté, un maximum de 10 blocs. Les blocs sont réinitialisés à l'endroit. Ok. Qu'est-ce que je vais choisir? Voilà. Et au pif, hein. Par la gauche, il faut aller. On va peut-être avoir droit à un boss. Ou pas. Merci.
Pas de roulade. Restez sur la sentinelle. Elle est presque HS. Oula. Merde, avance. On est prête, Galt. On arrive. Tenez bon. J'ai combattu les Varesiens pendant vraiment très longtemps. Nous avons remporté de nombreuses batailles, c'est vrai. Et pourtant, il suffit de lever la tête dans la nuit étoilée pour constater qu'au final, nous n'avons fait que retarder l'inéluctable. Et c'est comme ça que vous justifiez cette trahison envers vos alliés, vos amis? En gros, oui, je sauve quelque chose. C'est toujours mieux que rien. Vous n'en feriez pas autant à ma place. Allez, 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 allez. Contre les Varelsi. Nous avons combattu et péri à leur côté pendant des siècles. Vous connaissez rien à la loyauté, Renden. Oh, mais d'accord. Je ne peux pas dire que je n'ai pas essayé. Soldats, attrapez la transfuge. Ne les laissez pas s'enfuir. Oh, je suis en vie. Déjà J'avais rien vu venir, hein? Ah!
please. Si vous cherchez à soigner votre entrée, vous faites tous du très très bon boulot. Mais maintenant, ce serait top. Allez, montez à bord. Je suis d'accord. D&D est notre unique espoir de tuer Endane. Une chance que nous n'aurons que lorsqu'il attaquera l'étoile. Et d'ici là, c'est quoi le plan? Enfin, si on en a un. On va saboter les opérations de l'Imperium autour de Solus. Gagner le plus de temps possible et obtenir l'appui des factions. Heureusement pour nous, elles ont toutes besoin d'aide. Faire sauter des trucs marche bien jusqu'ici. Je pensais continuer comme ça. Pendant que Rendane répare l'héliophage, on va aider les autres factions à se remettre sur pied. Si on veut réussir, on va avoir besoin de tout le monde. Les RPU ont subi de lourdes pertes en tentant de reprendre leurs anciennes colonies sur Bliss. L'amiral Bannon a lancé un appel à l'aide. Commençons par là. L'Observatoire dit qu'Ekunar grouille d'équipes de ramassage générite. En frappant fort, on pourrait couper leur alimentation en énergie. Tempest est plus vulnérable que ne l'imagine Rendane. Ce sera dangereux. Mais ils ne s'attendront pas à nous voir. Alors, on ne passe personne par le sas ? La ferme Cleese. C'est notre dernier espoir de sauver Solus. On ne peut pas échouer. On réussira. Ben, il se pourrait... Ah, bon Dieu ! La ferme Cleese ! D'accord, ok. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, les personnages se développent. Ok. Ou alors c'est les 25 bien comme je pense. Ah non, ça va, c'est bon. Bon, alors c'est tout pour ce premier épisode. Si jamais vous voulez revoir la vidéo, allez sauvegarder sur la chaîne de, sur ma chaîne de stream, Cocré225. Donc voilà. Si jamais vous voulez la voir ou la revoir, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis au revoir à tous et à la prochaine. Et au prochain épisode, pardon, de battleborn. Salut.